monter une junior association pour faire du cross-training. En fait, notre animateur nous a expliqué que les junior associations, ça existait, mais on ne savait pas comment ça marchait. Du coup, on a fait un peu des recherches, on a vu qu'il y avait une journée des junior associations. Du coup, on y a été, ils nous ont expliqué ce que c'était une junior association, les différents projets, les différents objectifs. Et ensuite, on a eu l'idée de créer notre association, ça nous a donné encore plus envie. Et quand on a vu les autres associations, on a vu que c'était des grands projets. Du coup, nous, on a décidé de faire des actions solidaires citoyennes sur la commune au lieu que du cross-training. On a décidé que ça soit ouvert à tous. Notre premier projet, ça a été un fauteuil pour moi des juniors. Le but, ça a été d'acheter un fauteuil handisport pour une petite fille qui est handicapée, pour que Julien puisse courir avec sa petite sœur Maud. On détermine les projets à faire ou les actions qu'on va réaliser dans la commune pour avoir des financements, pour pouvoir financer nos projets. Notre deuxième projet, c'est de travailler avec les maisons de retraite. Malheureusement, avec le confinement et la crise sanitaire, on n'a pas pu plus en parler. On a fait des réunions, mais ça a été compliqué d'appeler les maisons de retraite parce que pour l'instant, elles ne voudront pas. Donc le but, ça serait d'acheter du matériel pour que les personnes âgées puissent avoir des choses à faire ou des activités. Et ce serait qu'on fasse des temps avec eux. On a été faire une semaine à Bruxelles, rencontrer des jeunes qui ont créé aussi une junior association. Du coup, on a fait un échange. Ils nous ont expliqué, eux, comment ça marchait. Et normalement, ils vont essayer de revenir ici à Beaubourg.